Et yo les petits potes, juste un petit message avant de lancer la vidéo qui est très très important les gars, je tiens à rappeler que le casino est toujours gagnant, il n'y a absolument rien à faire contre ça les gars, c'est mathématique, vous pouvez rien y faire, vous avez beau être le plus beau, le plus smart, choisir la meilleure technique de martingale, tout ce que vous voulez, vous allez perdre de l'argent quand vous allez déposer, c'est normal, c'est mathématique, il n'y a rien à faire les frérots. Donc vraiment le casino doit être considéré comme un loisir, si quand vous déposez vous n'êtes pas prêt à perdre de l'argent, vous n'allez pas vous amuser quand vous déposez, il n'y a aucun intérêt à le faire les gars parce que vous avez des très grandes chances de perdre votre argent. Et en plus, bah, si vous prenez pas de plaisir et que vous déposez de l'argent sur un loisir, ça n'a pas de sens les gars. Donc vraiment, il y a assez de choses difficiles dans la vie pour pas se rajouter nous-mêmes des choses qui sont difficiles. Prenez le temps de vous poser les bonnes questions, pourquoi vous déposez, etc. À chaque fois que vous allez dépôt, ne faites jamais des dépôts impulsifs. C'est la pire chose à faire, les frérots. Prenez soin de vous, vraiment. Si le casino n'est pas fait pour vous, que ça vous apporte plus de négatifs, il n'y a pas de problème. Il y a tellement d'autres activités que vous pouvez faire dans votre vie. Allez trouver une activité qui vous fait plaisir, du sport, ce que vous voulez. Passez du temps avec vos potes, vos proches, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Prenez soin de vous, en tout cas, les gars. Je vous laisse avec la vidéo. Et encore une fois, cette vidéo est à but de divertissement. Ne vous abusez jamais à reproduire les comportements que je fais dans les vidéos, les mises à laquelle je mise, etc., etc. Bonne vidéo, prenez soin de vous, oubliez jamais la vie, les gars, la vie est déjà assez difficile, ne vous rajoutez pas des trucs difficiles. Prenez soin de vous, kiffez la life, et je vous dis à très vite. Bonne vidéo, les gars. 3, 2, 1, et c'est parti! On est parti pour un nouveau bonus 5, les gars. Celui-là, il est très très volatile, les frérots. On a eu la chance de prendre un gros gros hit sur Gates qui nous a fait bump à 6K, on a fait un dans la foulée. On a un bonus Gates à 10€. Et le Bounty Curses à 5 balles. Ces deux bonus-là peuvent tout carrer rien qu'à eux deux. On les a mis enfin, on va les ouvrir enfin. Et en attendant, on va commencer avec Club Tropicana. Allez, c'est parti les gars, je vais gagner un peu parce que je suis un peu fatigué. Par contre, je trouve plus l'écran case, il illumine l'écran case. Quoi cette merde là? Pourquoi je trouve plus? Ah, attendez les gars, j'ai un problème. J'ai plus la fenêtre du case. Mon OBS est en panique. Mon OBS est en panique. Comment je fais? Dailymotion. Qu'est-ce qu'il me raconte? Bon, bref. Ok, on coupera ça en montage, évidemment. On a dit quoi? Club Tropicana. Avec Club Tropicana, break-even 120, mais ça, on n'en parle même plus. Hein. On a l'habitude où tu te sens en général. C'est compensé un peu par la volate. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, les gars. J'ai hâte. Ouais. Allez. Alors, on va laisser Yacoub nous faire quelques petits cocktails. Salut mon JR, salut ceux qui nous rejoignent les gars. Si on finit le hunt en bénef, j'enverrai des guides sur le Discord les gars. Pire streamer, je te jure. J'ai perdu 20 minutes. Quelle dinguerie. Bref. Pour ceux qui savent pas les gars, je reviens d'un EVG de 4 jours. Mon EVG. Autant vous dire que voilà. Je suis rentré hier mais j'ai encore full alcool dans le sang là. Je suis pas au top de mon prime. Ok, c'est pas mal ça. Cher, pas loin du x50. Ce qui serait cool, c'est d'aller en x2, mais ça va être très compliqué. Ouais, dommage. 232 x43. On va enchaîner avec Wild Walker. White Walker, ça part. Il n'y a jamais eu de modo sur ces chaînes, les gars. C'est pas maintenant qu'il va y en avoir. Au top de mon prime. Pire phrase. Écoutez, commencez pas à me reprendre si vous n'allez pas vous arrêter parce que. C'est pas la grande forme, les gars. Et c'est vrai que la phrase au top de mon prime. C'est un peu comme monter les escaliers, quoi. Allez! Pour ceux qui se rappellent pas de la slot ou qui la connaissent pas, dès que j'ai 3 wild, je libère un nouveau wild et je prends 2 spins. C'est un start qui est plutôt ok, sans être insane. Dommage, faut enchaîner avec les wild là, sinon ça va être compliqué. 2 hein. C'est vraiment pas ouf. Minimum, je dirais 4, sinon c'est dur de faire un vrai bonus. Aïe 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 aïe. On se dirige vers la douille! Ça va être difficile. Merci mon chuchu pour le good luck. Ok.
Je sens qu'elle va pas le mettre. Ok, elle m'a fait mentir. J'aime bien. Mais bon, ça risque d'être quand même complexe. Salut mon Maximilien. Ok, ça peut payer ça, non, avec le premium. J'aurai un petit 200 balles. Ok, honnête, honnête. Ferais-moi la même. Ok, pas mal ça. J'irais 300. Oh, le poisson, les gars. Ok, sauvé de justesse, hein. Ce dernier way, il a carré de fou. C'est un 106. On prend, on prend. Attends, je récupère l'argent, ouais. On va aller sur le bandit. On enchaîne, et là on a une petite période full axo, on a le bandit, Bisbilo, Temple of Stormen, Ronin Stackwaves, et après Kraken, Gate, Secure 6. Donc let's go. Let's go, let's go, let's go. Je rappelle, hein, un temps bénéfice, je ferai un petit guide sur le... soit sur le chat, soit sur le Discord, on verra. On n'a pas le son là? Allô? Allô? C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. J'ai toujours pas les, les commandes d'activer sur le... Allez, on prend des spins. Ça ne se refuse pas. Elle est quand même stylée cette slot, hein. Elle est quand même stylée. Hein. Je vous mets la commande pour le Discord pour ceux qui l'ont pas dans le chat. Sinon vous avez sur toutes les descriptions de vidéos YouTube le lien du Discord, les gars. Ok, pas mal. x60. Attends, elle est chaude là. 9 spins. Peu useless ça, dommage. Yo, un jour, t'as perdu tes bobos axo, t'as pu les récupérer. Non, on a pas pu les récupérer. En fait, il y avait le casino qui faisait une mage de du provider. Et du coup, je tombais en plein milieu de la mage, donc ça les a fait sauter. C'est ce qu'ils m'ont expliqué. Je les ai jamais revus, je crois. Et le hunt ne sortira jamais, du coup. Ok, bon, moyen. On va aller sur Bisbilo. Deux retrigger, ça va payer, ouais. Bah, ouais. Pas tant que ça. Pas tant que ça, pas tant que ça. Pour l'instant, on est sur un multi-moyen de 77. Pour l'instant, on perd à peu près un tiers du start, je pense. Si ça continue sur le même tempo. Allez, si on pouvait éviter ça, ça serait cool. Je le sens mal, lui. Et pour ceux qui me demandent pourquoi j'ai rajeuni, les gars, c'est que j'ai coupé la barbe. J'ai perdu 10 ans. Voilà. Bon, c'est sympa ce bonus. Fait plaisir. Se régale, hein. Se régale, frérot. N'hésite pas, hein. Putain, quel enfer. Hein. Oh là. Ça, c'est une humiliation. C'est une humiliation. Allez, Temple of Torment. Temple of Torment. Je crois que c'était le bounty. Ah, je l'avais pas noté, mais je crois que c'était le bounty, je suis pas sûr. Vous allez me dire, les gars, je joue tellement jamais celle-là. C'est le bounty, ça, non? On dirait que t'es plus sous sans barbe. C'était le plan, les gars. L'idée, c'était de me faire dépuceler pendant mon levier. Je sais plus si c'est le bounty, je m'en souviens plus, les gars, de cette slot. Je crois que c'est le bounty. On sent. Ouais. Je commence à avoir peur, les gars, là. Je commence à avoir peur. Après, ça peut péter d'un coup, hein. Ok, reste deux spins, il va falloir que ça se dépêche quand même.
Putain, c'est trop. Ça merde. Fois 70. Putain, dommage. C'était une vraie opportunité, ça. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai peut-être gardé les giveaways, vu la gueule du Hunt. Vu la tronche du Hunt. Bon, on a encore nos deux bonus magiques, enfin, je vais pas parler. Il y a le Bounty Curses et Gates à 10 balles, ça peut faire la diff. Oh là 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 là. Dommage que ça soit les 10 parce que là il y a beaucoup de ways. Hein. Putain, tu mets un vrai symbole avec ça, ça pète. Dommage. Allez, beaucoup. On est pas bien les gars, on est pas bien. Bon, je vais aller sur Kraken. Et après on va rentrer dans le dur. Allez Kraken, ça part. Ça va bien charger. Putain, on a tellement galéré à avoir le bump en plus, c'est ça le pire. Pour l'instant on est à moins 4600, il reste 3 bonus. Hein. Faut récupérer 1500 balles par bonus, c'est... C'est un peu complexe. Ok, 8. Un de spé. Ça veut rien dire de toute façon. Ça par contre c'est un start qui est stylé. Mais la dernière fois qu'elle m'a fait ça, elle m'a troll. Allez, tout de suite le troisième. Je sens qu'elle va me le mettre. Elle va me le mettre à un spin left, tu vas voir. Ok. Déjà un mine troll déjà. Plus loin les wilds hein. Plus loin pour être sûr qu'ils connectent vraiment pas. Putain, et là va mettre le troisième regard. Même pas. C'est pas emmerdé quoi. Bon bah superbe. Superbe, superbe. Écoutez les gars, ça fait plaisir. Ok, bon 260 balles, je vous montre le tableau. 261 balles. On perd pour l'instant 4300 balles, quasiment 4400. Il nous reste deux bonus, Gates à 10 balles et le Bounty Curses. Franchement, même avec ces bonus-là, c'est très 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 compliqué. Hein. Là, je pense qu'on va se faire fister. Voilà, voilà, on le dit. Hein. Allez, Gates, on sait jamais. C'est grâce à elle qu'on est là, qu'on a pu bump. Allez, allez ma cocotte, pour une fois. Là. C'est un max win. Poum! Ça tombe! Allez. Oh mon rêve. Hein. Ah ça aurait pu connecter pour une fois en premier. Ah ça c'est les starts, ça est dur. J'ai très très peur là. J'ai très très peur du start. Déjà qu'avec un bon start en général c'est compliqué alors là. Ok violet, multi. Bon, fois 605 spin, 70 balles. Ah les gars, joue le but de close ce soir. Ouah mec, alors toi, t'as des cotes aussi. Hein. Bah, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de buts ce soir, moi, c'est ce qui me fait peur, les gars. Par contre, jouer le but d'un défenseur, c'est pas mal, mais je mettrais plutôt un central, tu vois. Sur un coup de pied arrêté, un truc comme ça. Close, je pense pas. Oh, je suis au fond du trou à 10 balles, quoi. C'est abusé cette slot. Je te jure, c'est abusé. Ok, bon, dernier bobo, les gars. Avant la fin de séance, il va falloir qu'il soit miraculeux. Il faut ouais. 4500 balles. Allez, good luck, hein. Ce qu'on appelle être au pied du mur. Après, vaut mieux que ça soit avec un bounty.
Fais-nous de la magie là. 6 fois 1000. 5000 balles. On est bien. On est très très bien. Ça c'est très bien les gars. Ça c'est très très bien. Maintenant faut activer les colonnes. Allez. C'est bien mais active-moi les autres. Et en bas de préférence. Pour l'instant on est en fois 80. C'est quand même pas insane. T'arrêtes pas. Ok. Ok. Allez, 123x. Ok, très très bien celui-là. Oh, pop pop. Celui-là il fait plaisir, les gars. Celui-là fait très plaisir. Oh, putain. T'es jaune ici, ça aurait été une dingue. C'est pas mal, hein. Allez, encore. Tu peux le faire. Allez. Allez, ma cocotte. Allez. Allez, mets-le. Bon, dommage. Ça se prend quand même. Salut, moi, ce gars. Salut moi ce gars. Oh putain. C'est un beau bonus en vrai. C'est beautiful bonus. 1180. On est bien fait de le garder pour la fin celui-là. C'est le meilleur de tout le hunt. Mais ça suffit vraiment pas. On perd 3000 balles. Hein. Pff, trop dur. Trop dur, trop dur. J'ai coupé l'enregistrement pour YouTube les gars. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas c'est le principal. N'oubliez jamais le casino les frérots. C'est jamais pour gagner de l'argent. Si vous essayez de récupérer votre argent ou de faire des plans comme quoi vous allez acheter des trucs en fonction de l'argent que vous allez gagner au casino les gars, c'est une dinguerie absolue, vraiment c'est un non-sens, ne jouez pas, jouez pour le plaisir avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, on le répète mais c'est très important, prenez soin de vous, vous imposez pas les trucs négatifs dans life et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos les gars, et moi je vais aller faire des cours d'élocution, ciao les frérots.